Le verdict est tombé pour celui qu'on appelle le maire Gifleur, le maire de Coussolles dans l'Avesnois. Maurice Boissard a été condamné ce vendredi matin à une amende de 1 000 euros avec sursis, 250 euros de dommages et intérêts à verser à la famille du jeune homme qui l'avait giflé et un remboursement des frais de justice. L'histoire remonte à 2010. Le maire dit avoir été insulté par un adolescent de 16 ans, déjà condamné pour des faits de délinquance. À ce moment-là, l'élu le gifle. La famille du jeune homme porte plainte et du coup, la gifle va coûter très cher à Maurice Boissard, qui aujourd'hui ne se dit pas surpris, mais plutôt choqué par la décision du tribunal qui le condamne, tout simplement. Écoutez. Être reconnu coupable devant, dans les circonstances où l'affaire s'est passée, je trouve ça très, 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 très injuste. Il ne m'a pas blessé, il ne m'a pas tué. Là, il aurait été, c'est pas moi, ça n'aurait pas été moi le coupable, ça aurait été lui, quoi. Mais donc les insultes ne suffisent pas à une légitime défense. Tous les témoignages dans la procédure viennent indiquer que jamais M. Boissard n'a été provoqué. Pour l'avocat de la défense donc, du jeune homme, le tribunal a rendu la bonne décision. Du côté des habitants, en revanche, on ne comprend pas cette décision, cette condamnation. Selon différents habitants de Coussolles, le maire aurait été tout simplement sous pression face aux jeunes rebelles qui avaient déjà commis des dégradations dans la commune. Écoutez. Évidemment que la gifle, elle n'est pas pardonnable, mais il faut voir ce qui s'est passé avant aussi. C'était la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. Voilà. Le maire de Coussolles va réunir dans quelques jours son conseil municipal. Ils décideront ensemble s'ils font appel de cette décision de justice.